Jour 4 sur 30 de produire le maximum de son en 30 jours. Hier, je me suis couché hyper tard pour finir le montage du jour 3. Et du coup, mon chat, il m'a réveillé tôt ce matin. J'ai mal dormi. Là, je vais aller me coucher avant de sortir. Et je t'afferai le son en rentrant ce soir. Bon, pour expliquer un peu, là, je viens de rentrer. J'ai oublié la GoPro. Du coup, les images rapides sur ce rush, il faudra oublier tout simplement. Après une bonne heure à chercher. Oui, je fais la voix off aussi maintenant. Bon, après une petite session d'écoute d'instrumentage, j'en ai trouvé des bonnes, mais je trouve que je suis pas assez performant pour ce soir. Histoire de finir sur une petite note musique, j'ai écrit un morceau il y a quelques temps, en gros, sur la perte de personnes proches par rapport à un ami à moi. Et aussi à ce que j'ai pu vivre, et du coup, bah, je vais mettre ce petit son en fin de vidéo. Pourquoi tu fuis? Peur de l'entendre, j'avais plus quoi dire. Donc, j'ai roulé un spliff, j'ai aimé l'orage, adoré la pluie. Je me suis perdu dans le vide, je ressentais un manque, une douleur dans poitrine qui m'envahit la nuit. Je peux pas dormir, j'ai trop le seum, trop mal à la vie. Je me suis demandé pourquoi ça te fait se passer ainsi. Je sais qu'il est trop tard pour remords. J'ai eu peur d'oublier tous nos souvenirs. Je comprends toujours pas pourquoi t'as dû partir. Je sais que tu manques et je peux en vouloir qu'à la vie. Hier, ce qui me prenait la tête est devenu si futile. J'aurais aimé que tu ne quittes jamais ma vie. Les larmes aux yeux quand je repense à tout ce que tu m'as appris. Les larmes restent sans tasse au fond de moi. Je fais des cauchemars réveillés où je vois que je me noie. Je ne vois personne extirper de cette putain de noyade. Allez, raconte pas ta vie de merde. S'il te plaît, casse-toi. Hello, hello, jour 4 sur 30 de produire le maximum de son en 30 jours. Bilan de la journée, c'est dimanche. Je me suis levé hyper tard. J'ai geeké de ouf. Et comme vous pouvez le voir par derrière, j'ai suivi quelques conseils et j'ai essayé de faire un petit décor. J'ai même rajouté le petit Mario derrière la petite Madara. Du coup, pour aujourd'hui, vu que c'est dimanche, on va faire une session écoute instrumentale sans poser parce qu'en vrai, c'est quand même long de trouver des bonnes instrumentales sur internet dans les banques d'instrumentales qui est par exemple Beatstar. Ça prend beaucoup de temps pour trouver des bonnes instrus ou qui sont faites par des gens qui ne sont pas beaucoup écoutés. Du coup, on va prendre un petit temps pour ça aujourd'hui et on fera les autres sons demain. Petite précision, le jour 10, je serai sûrement en live pour la création. Je pense que je ferai ça vers 20h, comme ça on peut regarder ça chez soi au calme. Et voilà. Parce que j'en trouvais un time beat de quelqu'un que je connais, genre de Bibi. Du coup, là, je suis parti sur un délire. Là,
chanson de juste reprendre cette partie de là pour faire raconter une histoire que j'aurais pu vivre. Suivez-moi au cours de ces 30 prochains jours où je vais faire le maximum de sons possible. Parce que, en vrai, je dis ça parce que au moins si j'en fais pas 30, j'aurais pas dit que j'en fais 30. Et au moins si j'en fais plus, bah c'est parfait.